Bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé sur Instagram. Genre je crois que c'est une des vidéos que vous me demandez le plus depuis que tout le phénomène autour de cette série a commencé. Du coup j'ai fait plein de recherches. Vous allez sûrement apprendre des choses que vous savez absolument pas sur la série dans cette vidéo. Et avant de commencer la vidéo les gars, si jamais vous me suivez pas sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre. C'est là-bas que je vous tiens au courant de toute l'actualité, de la pop culture, enfin genre des stars, de ce qui se passe dans le monde. Je vous tiens au courant vraiment de tout en temps réel, dès qu'il se passe un truc je vous fais un petit post dessus. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, ça prend 2 secondes, c'est gratuit et puis voilà, je vous le mets sur l'écran. Donc on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo, let's go. Présentation de la série, de ce que c'est Squid Games. Je pense que j'ai pas besoin de la présenter non plus de ouf, parce que j'ai l'impression que tout le monde a vu cette série, genre tout le monde en parle sur tous les réseaux. Donc déjà faut savoir que c'est une série qui est sud-coréenne, elle contient 9 épisodes, et dans la série ce qui se passe c'est qu'il y a 456 participants qui sont endettés, qui sont tout simplement en manque d'argent, et en fait ils se retrouvent à jouer tout simplement à des jeux d'enfants. Sauf qu'en fait à la fin de ces jeux à chaque fois, les perdants sont éliminés, mais pas juste éliminés du jeu, genre ils se font tuer en fait. Faut savoir que la série elle est sortie sur Netflix le 17 septembre 2021, et c'est rapidement devenu un succès mondial, enfin dans le monde entier tout le monde en parle, elle est numéro 1 dans pratiquement tous les pays où Netflix est disponible. Et du coup voilà, en voyant tout ce succès, à quel point tout le monde parlait de cette série, je me suis dit que j'allais faire une vidéo et je me suis dit que j'allais tout simplement me renseigner un peu plus sur comment la série a été créée, etc. Et c'est ce qu'on va parler maintenant, on va parler de l'histoire de la série, comment elle a été créée, son réalisateur, etc. Désolé si jamais j'écorche des noms ou quoi que ce soit, parce que comme la plupart des gens qui travaillent sur cette série c'est des coréens, des fois j'ai un peu du mal à le prononcer. Faut savoir déjà, moi j'étais pas du tout au courant, j'ai vu l'information passer mais je me suis renseigné, apparemment c'est vraiment vrai. Le réalisateur donc qui s'appelle Dong Hyuk, faut savoir qu'il a commencé à travailler sur le scénario de Squid Games en 2008. Ça m'a grave choqué qu'il ait commencé il y a si longtemps, parce que la série elle est sortie en 2021, donc je sais pas combien d'années après, et qu'il a seulement terminé d'écrire son script en 2009, donc il a mis je crois un an en tout à écrire tout le script de Squid Games. Faut savoir qu'à l'époque où le réalisateur il a écrit son scénario, en fait il était lui-même endetté, il avait lui-même besoin d'argent, et du coup bah c'est pour ça qu'il a eu toutes ses idées dans sa tête, et il s'est dit est-ce qu'il y aurait un jeu comme ça dans la vie, est-ce que moi je le ferais. Enfin il s'est imaginé plein de scénarios dans sa tête vu que lui-même était endetté et qu'il avait besoin d'argent, et du coup c'est pour ça qu'il a eu cette idée là et qu'il a créé tout cet univers, ce jeu, etc. Faut savoir que quand il a fini d'écrire son script, il a commencé à contacter plusieurs partenaires, plusieurs trucs pour essayer de se faire sponsoriser, je sais pas, pour que quelqu'un l'aide tout simplement à faire son projet, à financer son projet, etc. Et faut savoir qu'il s'est fait rejeter par absolument tout le monde. Tout le monde lui a dit non, je suis désolé, mais on peut pas faire ça, c'est trop violent, c'est pas assez grand public. À l'époque, c'est vrai qu'on voyait pas trop de contenu comme ça, ou même de séries comme ça, genre hyper violente, où on voit vraiment tout assez sanglante, etc. Faut savoir que à la base, Squid Game, ça devait être un film et non une série. Le réalisateur l'a dit lui-même qu'il avait écrit Squid Games en pensant que ça allait être un long métrage ou un film, et que c'était pas prévu du tout que ce soit une série. C'est juste que vu que ça a été basé sur Netflix, Netflix ils ont préféré faire une série, mais de base ça devait être un film. Et faut savoir qu'à l'origine Netflix ils avaient annoncé Squid Games en septembre 2019, donc ça je le savais pas du tout, mais ils avaient annoncé qu'une nouvelle série coréenne allait sortir, etc. Et de base elle devait pas du tout s'appeler Squid Games, elle devait s'appeler Round 6, genre la ronde des 6. Au final ils l'ont sorti qu'en septembre 2021 en l'appelant Squid Games. Donc voilà par rapport à l'histoire de la série. J'espère que je vous ai appris quelques trucs par rapport au réalisateur, par rapport à comment la série a été conçue, etc. Et on va passer un peu aux anecdotes de la série. J'ai appris plein de choses en faisant ces recherches, je savais pas du tout. Vraiment genre, vous allez voir, j'ai appris plein de choses que je savais absolument pas. Savoir déjà que si vous avez regardé la série, la plupart des soldats qui travaillent dans le jeu, etc., ont tous un uniforme rouge avec des formes sur le visage, donc soit un carré, soit un triangle, soit un cercle. Et en fait, je savais pas du tout, mais le réalisateur il a dit qu'il s'était tout simplement inspiré des colonies de fourmis. C'est parce que les fourmis, en fait, dans leur colonie, elles ont toutes des tâches précises, genre en gros, quand elles sont nées, elles étaient assignées à faire quelque chose, et en gros, elles ont toutes leurs tâches à faire et elles savent ce qu'elles doivent faire. Sauf que de l'extérieur, on voit absolument pas la différence entre elles, genre c'est que eux qui le savent en gros. Et du coup il s'est inspiré de ça, il s'est dit je vais faire des soldats qui se ressemblent tous en fait, mais ils ont tous une tâche différente à faire.
Dans la série, il faut savoir que au niveau des soldats, ils sont tous représentés avec une forme, comme je vous l'ai dit, et du coup, les formes sont représentatives de ce qu'ils doivent faire et de leur boulot, en gros. Donc, le cercle, c'est celui qui représente les travailleurs, donc ceux qui doivent bosser, etc. Le triangle, c'est celui qui représente les soldats. Et le carré, ça représente les gestionnaires, donc ceux qui sont un peu au-dessus, qui doivent tout gérer, faire la gestion, etc. Pour les tenues des participants de la série, je pense que vous avez vu qu'ils ont tous, ils sont tous habillés avec des survêtements verts, etc. Voilà, ils ont tous la même tenue avec leur numéro dessus. Et en fait, le réalisateur, il a confié que tout ça, c'était juste inspiré des tenues coréennes en fait qu'ils avaient au lycée quand il était au lycée lui à l'époque, et qu'il a tout simplement reproduit voilà les tenues qu'avaient les lycéens à son époque. Ensuite, un truc que je savais pas du tout, mais vous voyez la poupée qui est énorme là quand il y a le jeu 1, 2, 3 soleil. Faut savoir que cette poupée qui fait peur à tout le monde, elle est réelle, genre elle est vraiment réelle, genre c'est pas un truc qu'ils ont créé pour la série. Donc elle se trouve tout simplement dans une ville qui s'appelle Jincheon, et c'est une zone rurale à 3 heures de Séoul. Donc en fait voilà, elle se trouve là-bas. Et en fait de base c'est une poupée qui garde l'entrée d'un musée en fait, là-bas dans une zone rurale. C'est une poupée qui est placée devant le musée et qui garde l'entrée en fait. Genre. Ils l'ont simplement emprunté pour tourner la série, et une fois qu'ils ont terminé de filmer la série, ils ont rendu la poupée au musée et elle a toujours sa place là-bas. Donc si vous voulez aller la voir, vous pouvez aller la voir dans la vraie vie, elle est bien présente. Voilà. Je sais pas si vous avez pu faire attention, mais faut savoir que depuis le début de la série, si vous l'avez regardé, les participants sont tous dans un dortoir. Sur les murs, il y avait tout simplement toutes les épreuves qui étaient dessinées en tant que dessin. En fait, au final, tous les jeux qui sont présents dans la série étaient tout simplement dessinés sur le mur du dortoir, et du coup, les participants pouvaient être au courant en regardant tout simplement le mur de quel jeu ils allaient jouer, en fait. Sauf que dans la série, personne n'a remarqué ça. Il y a aussi une autre anecdote qui est assez drôle. Si vous avez vu la série, vous voyez que souvent, ils jouent à un jeu, après on leur donne une carte, et avec la carte, ils appellent un numéro, en fait. Et faut savoir que en fait ce numéro c'était le numéro d'une vraie personne en fait. Et c'est à dire que cette personne, une fois que la série a été diffusée, s'est fait appeler environ 4000 fois par jour. Enfin je sais pas pourquoi ils ont pris le numéro d'une vraie personne, ou qu'ils ont pas tout simplement créé un numéro pour la série ou quoi. Mais en fait au final ouais c'est un vrai numéro qu'ils ont inscrit sur la carte, et du coup bah il y a plusieurs personnes qui ont tenté d'appeler le numéro. Donc comme je vous l'ai dit, la série a un vrai succès mondial, tout le monde en parle, tout le monde l'a vu, tout le monde sait c'est quoi Squid Games. Et en fait il y a de très très gros points positifs dont je vais vous parler aujourd'hui, mais il y a aussi de très gros points négatifs à cause de tout ce succès, donc je vais vous expliquer maintenant. Faut savoir que déjà ce qui est hyper positif, c'est que la série elle a tellement pris une ampleur que c'est en passe de devenir la série Netflix la plus regardée dans le monde entier. Donc de toutes les séries Netflix qui ont pu sortir, c'est Squid Games qui en passe là de devenir vraiment la série la plus regardée dans le monde depuis sa sortie, alors qu'elle est sortie il y a très peu de temps, il y a même pas un mois. Et je pense que voilà, ils ont réalisé un vrai truc quoi, parce que le nombre de spectateurs qui ont regardé la série, c'est des chiffres vertigineux vraiment. Également les acteurs de la série, donc ils rencontrent vraiment un succès mondial et un succès phénoménal déjà sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram. Il y a l'actrice par exemple Eyeong Jung, c'est celle qui joue le personnage de Side Biok. Elle, tout simplement, elle a gagné plus de 15 millions d'abonnés sur Instagram en quelques semaines. Genre c'était jamais arrivé je crois. Elle avait 400 000 abonnés avant que la série soit lancée, et une fois que la série est lancée, elle a gagné 15 millions d'abonnés. Genre on n'avait jamais vu ça sur Instagram, enfin c'est vraiment un truc de malade. Et j'ai aussi vu un truc qui est assez drôle les gars, genre tellement la série a fonctionné en Corée, il y a tout simplement un fournisseur d'internet donc coréen qui a décidé de porter plainte contre Netflix en fait. Ils disent tout simplement que depuis le lancement de Squid Games sur Netflix, il y a eu une hausse incroyable du trafic d'internet dans le pays, et que du coup ils ont des coûts infernal à payer, etc. à cause de tout ça, puisque du coup tout le monde est sur internet là-bas, tout le monde regarde la série, etc. Ils ont décidé de porter plainte contre Netflix parce que d'après eux, c'est à cause de Squid Games que leurs clients sont beaucoup plus sur internet et du coup qu'ils leur doivent beaucoup plus d'argent. Enfin, et du coup, vous devez sûrement vous demander, ok, mais du coup, c'est quoi les désavantages à un tel succès? Qu'est-ce qui est problématique là-dedans? Et bien, vous savoir qu'il y a plusieurs écoles, que ce soit en Corée, même en France, je crois, et même en Belgique, etc., qui ont commencé à remarquer des comportements assez étranges chez leurs élèves. Et en fait, il y a des élèves en fait qui reproduisent tout simplement dans la cour de récréation les jeux de Squid Games. En fait ils les reproduisent, sauf qu'à la fin, au lieu de tuer la personne, ils la tapent ou ils la fouettent ou ils leur mettent des coups, enfin genre que des trucs comme ça. Et à plusieurs articles qu'ils ont tourné, soit des élèves jouaient à 1, 2, 3 soleil, et si la personne elle bougeait, ils la frappaient. Ils reproduisent les jeux de la série, sauf qu'à la fin ils peuvent pas tuer bien sûr la personne dans le monde réel, mais voilà, ils s'amusent à taper leurs camarades, etc. s'ils réussissent pas le jeu. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles qui ont fait le signalement, il y a plusieurs professeurs aussi qui sont un peu inquiets pour tout ça, et à chaque fois qu'ils demandaient aux élèves ouais pourquoi tu fais ça, ils disaient oui,
bah, je fais comme dans Squid Games, etc. Donc voilà, c'est assez problématique de ce point là parce que du coup, un succès aussi mondial et aussi phénoménal, il y a pas mal d'enfants qui ont dû regarder la série qui n'étaient pas de base faits pour regarder la série, et au final ils s'amusent à reproduire les mêmes choses dans la vie réelle, et voilà, ça peut être assez problématique si ça continue avec le temps. Donc écoutez, voilà les gars, c'est tout pour la vérité sur Squid Game, je vous ai tout expliqué, que ce soit l'histoire, les anecdotes, les dangers de la série, voilà, je vous ai tout raconté, tout ce que j'avais écrit dans mon petit téléphone. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, ou à activer la cloche pour recevoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi je vous fais de gros bisous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye.